Lex Luthor. Clark Kent. Attendez, Luthor comme dans Luthor Corp? Ouais. Seriez-vous le jardinier? Vous êtes clairement pas le majordome en tout cas. Si vous lisiez les journaux, vous saurez qui je suis et pourquoi je suis là. Clark! Toi l'archer vert. Exact. J'ai décidé de te montrer ma véritable identité, histoire qu'on parte sur de bonnes bases. De bonnes bases? Ouais, j'aimerais qu'on fasse équipe toi et moi. Je suis équipé avec personne, et encore moins avec un voyou. Non, tu me vois encore comme tel. Franchement, ça me vexe mon lapin. À quoi tu joues? J'ai vu de quoi tu t'es capable. Et franchement, c'est impressionnant. Tu peux apporter tellement de choses au monde. Ouais, et c'est ce que je fais déjà. Non, je crois pas. J'en ai pas l'impression. Tu pourrais faire de tas de choses, sauver Métropolis, voir le monde. Tu restes enfermé dans le passé. Merci, mais j'ai déjà un psy. Rester enfermé dans le passé est la meilleure chose pour faire des erreurs. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de toi, Clark. Tu connais Lex? Plus ou moins. Vous êtes proche? Ah si, oui. Sais-tu vraiment qui il est? Le projet Titan. Comment t'as eu ce dossier? En m'infiltrant dans une entreprise de Lex. Luthor Corp s'amuse à faire des tests sur les gens qui ont été touchés par la pluie météorite à Smallville. Tu connais la kryptonite? C'est une pierre très radioactive. Tellement radioactive qu'elle peut changer le métabolisme d'un homme. Et qu'elle peut transformer les gens en surhommes. Oui, je connais. Et c'est quoi le rapport avec Lex? Lex a créé une drogue avec Van Enterprise. Ils émettent des phases de tests pour voir comment les gens réagiraient face à la kryptonite. J'ai déjà enquêté sur cette affaire. Et rien ne prouve que Lex est coupable. Et tu le crois vraiment? Cette drogue n'est pas là juste pour rendre accro les gens? Non! Pourquoi des gros patrons feraient ça? Ils veulent juste créer une armée. Et pourquoi? Pour atteindre le gouvernement. Si ils ont le gouvernement dans leur poche, ils ont atteint leur objectif, la Maison Blanche. Clark! Tu me vaux le plaisir de ta visite? Tu peux m'expliquer ce que c'est? Eh bien ça, c'est un dossier qui est censé être confidentiel. Comment tu l'as obtenu? Peu importe comment, tu peux m'expliquer. On a relevé une effraction dans une des filiales Luthor Corp la semaine dernière. Je suppose que tu n'y es pour rien, mais... disons que la personne qui t'a donné ce dossier ne doit pas vraiment l'apprécier. Il n'a pas l'air de te porter dans son cœur, c'est certain. Le projet Titan, c'est l'avenir. C'est un outil de surveillance qui peut s'avérer très puissant. En utilisant des humains! Mais Clark, réveille-toi! Les guerres ont toujours été organisées par les hommes, depuis la nuit des temps. Faut juste se préparer à d'éventuelles menaces. Ces hommes, ils sont consentants? Mais bien sûr qu'ils le sont. Ce sont des patriotes qui sont fiers de servir leur pays. Voilà. Et si tu t'inquiètes par rapport au traitement à la kryptonite, t'as pas de soucis à te faire, tout est sous contrôle. Et puis on fait pas de tests sur les êtres humains. Nos soldats volontaires ne se verront injecter la kryptonite que lorsqu'elle aura prouvé à 100% son innocuité. Allez, fais pas cette tête. On va prendre un verre, ça te changera les idées. Alors, vous avez pu trouver comment Clark Kent s'est procuré ce document? J'ai épluché l'emploi du temps de Kent. Il s'avère qu'hier soir, il n'était pas à Smallville, ni au DIP. Oui, et? Nos indicants étaient formels. Ils l'ont vu sortir de chez Oliver Queen. Oliver Queen? Clark a au moins le don de se faire des connaissances fortunées. On fait quoi? On s'occupe d'eux? On ne touche pas à Clark! Si Queen a contacté Clark, c'est justement pour diffuser ses infos aux médias. Bon, on va faire une petite surprise à Monsieur Queen. Ils ne sont pas encore stables. Vous m'avez compris? Envoyez-lui un sujet. On va lui faire comprendre que si l'on s'attaque à un Luthor, on en paye les conséquences.